Le long couloir voûté traçait une ligne droite qui se perdait dans l'obscurité. Des niches, corridors secondaires et autres alcôves le perçaient à intervalles réguliers, ponctués çà et là de bulles de lumière jaune et fluctuante. Les gens qui y vivaient, si nombreux qu'ils n'arrivaient plus à se décompter, avaient presque tout oublié de leur ancienne vie. Pour eux, seul le grand tunnel existait. Leur refuge, leur chez-eux misérable, étaient de petits recoins aménagés avec les trouvailles qui se troquaient contre d'autres biens ou services. Pour ces échoués en danger, le monde consistait en un tunnel cintré long de quelques centaines de mètres et un réseau de passages et salles s'égayant de chaque côté. Même si certains anciens, qu'on disait un peu fous, parlaient encore de l'au-dehors, personne n'imaginait qu'il y ait autre chose que leur univers souterrain étriqué. De tous les ancêtres, celui qui passait pour le plus fou était sans doute l'occupant de la niche numéro 7. Édouard était un petit homme, voûté prématurément et amaigri par les privations. Il ne bougeait guère de son refuge, hormis lorsqu'il espérait mettre la main sur une relique, un bout de papier, une affiche, un tract ou, s'il était particulièrement en veine, un livre. Le vieil homme collectionnait tout ce qui portait l'écriture. C'était son unique raison de vivre. Il existait encore, parmi cette misérable population, des gens ayant vécu avant le grand chaos qui les avait précipités sous terre. Mais la réclusion, les brimades des jeunes adultes, les moqueries des enfants et surtout la nécessité de survivre les avaient poussés à se murer dans le silence, à ne plus évoquer ce temps d'avant. Ils ne parlaient donc plus de la vie d'en haut. Édouard, lui, gardait ses souvenirs bien vivaces dans sa mémoire, grâce à ses lectures. Qu'il s'agisse d'une moitié de poster déchiré montrant une plage idyllique, d'un prospectus pour des réductions sur des lunettes, ou d'un roman à l'eau de rose, chaque mot, chaque graphisme le replongeait dans sa vie d'avant. Si les autres toléraient sa manie bizarre, c'est qu'il prenait un soin particulier à ne jamais s'en vanter. Il l'évoquait le moins possible. Attentif à exécuter ses corvées quand arrivait son tour, il pouvait continuer à jouir de sa collection de bouts de mémoire. Ce jour-là, Édouard venait de rentrer d'un troc qu'il espérait fructueux. Il avait mis la main sur un petit carnet très usé et taché. Les pages tenaient encore ensemble, même s'il en manquait quelques-unes au début. La seconde moitié était vierge, mais la première partie était griffonnée de notes diverses et, pour ce qu'il pouvait en déchiffrer, sans queue ni tête. Il trouvait cependant l'écriture élégante et fluide. Il venait de remiser sa dernière acquisition dans l'une de ses précieuses boîtes lorsqu'il entendit dans son dos une petite voix. « C'est toi, le monsieur qui lit ?» Les niches et les alcôves étroites manquaient cruellement d'intimité, mais c'était le lot des célibataires. Les couples avec enfants bénéficiaient d'espaces plus grands, dont certains fermaient même avec une porte. Lui devait se contenter de quelques mètres carrés ouverts sur le grand tunnel. Il avait disposé quelques planches et un vieux pan de tissu pour se donner l'illusion d'un quatrième mur. Mais n'importe qui pouvait pénétrer chez lui. L'enfant se tenait à un pas de l'alcôve en signe de politesse. Il ne devait guère avoir plus de 10 ans, mais Édouard ne pouvait pas être plus précis. Le gamin disparaissait sous les replis distendus d'une parka trop grande pour lui. Le vieil homme le dévisagea un moment, sans que cela perturbe l'enfant qui lui retournait un regard intense. « Oui, c'est moi, en effet. Que me veux-tu, petit ?» L'enfant sortit les mains des poches de sa veste. L'une d'elles tenait un livre. Le vieil homme retint sa respiration l'espace de quelques battements de cœur. Un livre. C'était si rare. Lui-même n'en détenait pas une demi-douzaine, et il avait mis plus d'une décennie à les réunir. Sachant les conditions dans lesquelles il vivait, il doutait qu'il en existe beaucoup d'autres encore, disséminés le long du grand couloir. Son cœur se mit à battre et, déjà, il passait en revue ses maigres possessions qu'il pourrait troquer contre ce trésor. Ce n'était pas un homme méchant, mais il réfléchissait au prix qu'il pouvait proposer sans se ruiner, et sans non plus léser le gamin. « Tu veux te débarrasser de ça, hein ? Attends, donne-moi 2 minutes, je dois avoir quelque chose à t'offrir en échange. » La réaction de l'enfant le surprit complètement.
le livre disparut aussitôt dans la poche, comme si l'adulte avait tenté de s'en emparer. « Non, je le vends pas. »« Ah bon ? Mais pourquoi es-tu venu me trouver alors ?» À nouveau, l'enfant sortit lentement l'ouvrage. Les yeux, animés d'une lueur étrange, parcouraient la couverture. Le vieil homme constata avec amusement qu'il le tenait à l'envers. « Vous, vous savez le lire. » La voix du gamin n'était guère qu'un souffle. Édouard fléchit les jambes avec difficulté pour se mettre à la hauteur de son visiteur. Il en profita pour jeter un œil à la quatrième de couverture, tournée vers lui. Il n'arrivait pas à lire le titre de l'ouvrage, mais le texte était en français. « Oui, je peux le lire. » L'enfant redressa la tête, tout sourire. « Alors, vous pouvez me faire la lecture ?» Le vieil homme, la gorge serrée par une soudaine émotion, se passa un doigt derrière les lunettes pour essuyer un début de larmes. Depuis sa réclusion solitaire dans ce piège à rats souterrain, c'était la première fois qu'on lui demandait un tel service. Il eut du mal à retrouver la parole. « Pour ça, il faut que je puisse le lire. Est-ce que tu m'autorises à le prendre ? Je sais qu'il est à toi, je te promets de le rendre. » L'enfant hésita un instant, puis tendit le livre. Le vieil homme s'en saisit délicatement, comme s'il s'agissait d'un nouveau-né. Il le détailla attentivement. Son état n'était pas si mauvais. Le carton de la tranche avait été déchiré, révélant le tissu de la reliure. C'était rare qu'un livre de poche ait une telle finition. Cela dénotait un ouvrage ancien et sans doute onéreux. La couverture, semi-rigide, était encore souple. Mais elle avait souffert des mauvaises conditions. Le papier était taché d'humidité et légèrement mangé au coin. Il le feuilleta, très délicatement. Les pages émettaient un bruit agréable. Aucune ne se sépara. Il estima qu'il n'en manquait pas. Il avait rarement vu un livre en si bon état. Satisfait de son premier examen, il contempla enfin la couverture. D'une sobriété tout académique, elle ne comportait que quelques mots. Il s'agissait d'un recueil de poésie classique. Il sourit, cela manquait à sa collection. Il fut ravi de pouvoir en profiter, même s'il ne lui appartenait pas. Comme il l'avait lu quelque part, les mots, bien que prisonniers de leurs pages, s'échappent volontiers grâce à l'esprit du lecteur. « J'accepte volontiers, mon petit, mais j'ignore si tu vas apprécier. » Édouard s'écarta et invita du geste son visiteur à entrer. Il lui proposa de s'installer sur la paillasse, tandis que lui-même prenait place sur la chaise branlante. Ainsi, il bénéficiait de l'éclairage de la lampe à huile accrochée juste au-dessus. « Je ne te lirai pas tout maintenant. Bah, tu comprends, ce sont des poèmes, des petits textes. C'est assez court, en fait. »« C'est pas des histoires ?»« Un peu. Ce sont comme des chansons, mais sans la musique. Tu vas voir. » Il parcourut rapidement la table des matières, à la recherche d'un texte accessible. Il ne s'agissait pas de dégoûter l'enfant par une poésie trop ardue ou hermétique, au risque de le voir partir avec son livre. Heureusement, le recueil avait probablement été édité à destination d'une école ou d'un collège. Il finit par choisir un poème romantique, de facture assez classique aux rimes croisées. Il entama sa récitation. Le poème comptait la rencontre de deux amants dans un jardin idéal, ne pouvant se voir qu'à la dérobée pour ne pas attirer la colère de leurs parents. La lecture ne dura que quelques minutes. Mais Édouard, peu rompu à l'exercice, eut l'impression que le temps s'était étiré. Il leva les yeux sur le gamin, assis en tailleur sur le matelas. « Alors, gamin, qu'en penses-tu » L'enfant sembla réfléchir profondément avant de demander d'une voix timide. « C'est quoi, un jardin ?» L'homme réprima un sourire. « C'est... Tu vois les plantations dans le tunnel numéro 5, là où on fait pousser les choux et les pommes de terre ? Alors... Imagine la même chose, mais en très grand, et pas dans un tunnel, mais sous le ciel. Le ciel ? Il ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Comment expliquer quelque chose d'aussi fondamental, mais que ce gamin du haut de ses 10 ans n'avait jamais vu ? C'était comme décrire le chant des oiseaux à un sourd, ou les couleurs d'un coucher de soleil à un aveugle. Et pourtant, il s'attela à la tâche. Il raconta l'en haut, répondant tant qu'il pouvait à la cascade de questions que chaque explication déclenchait. Lire la poésie n'avait demandé que quelques minutes. La leçon de choses leur prit des heures.
Le vieil homme, en désespoir de cause, mit un terme à la séance. Il allait être en retard pour sa corvée du jour. Nous avons oublié une cérémonie essentielle, mon petit. On appelle ça des présentations. Comment tu t'appelles? Pierre. Enchanté, moi c'est Édouard. À demain, Pierre. Il rendit l'ouvrage à l'enfant, puis chacun partit dans une direction opposée. Le petit vers son abri et l'homme vers l'étable où les bêtes affamées l'attendaient. Le lendemain, alors qu'il rentrait de ses obligations quotidiennes, le vieil érudit eut la surprise de découvrir Pierre campé devant son alcôve. Ce dernier n'était pas seul. Un autre enfant, du même âge, l'accompagnait. Sous la tignasse ébouriffée se trouvait un visage aux yeux gris pétillant de vie. Mais Édouard était bien en peine de dire s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille. « Bienvenue, Pierre. J'étais pas sûr que tu reviennes, mais je l'espérais. Je suis heureux de te revoir. Comment s'appelle ton amie ?»« C'est Élise. Elle veut aussi écouter la poésie. Elle peut ?»« Mais bien sûr. Entrez donc. Je pose mes affaires et je suis à vous dans une minute. » Une fois le trio installé, Édouard se mit en quête d'un autre poème à lire. Son choix se porta sur un sonnet chantant un paysage de montagne qu'une rivière traverse. Là encore, la lecture faite dans un silence religieux, le vieil érudit fut bombardé de questions. Qu'est-ce que c'est qu'une rivière? C'est quoi un poisson? Un oiseau? Un nuage? Ces deux spectateurs semblaient passionnés par ce qu'il leur avait lu puis expliqué. Ils se demandaient quelles images mentales pouvaient se projeter sur l'écran de leur esprit, alors qu'ils ignoraient presque tout de ce à quoi faisait référence le vocabulaire utilisé dans le texte. Il s'efforça, avec patience, de leur décrire le plus précisément possible chaque objet qui composait le tableau du poème. La séance prit, comme la dernière fois, quelques heures. À l'issue de celle-ci, lorsqu'ils prirent congé de lui, Édouard constata que les enfants arboraient un air rêveur. Il espérait qu'à leur manière, ils avaient l'esprit envahi d'images nouvelles. Peut-être tentaient-ils de s'imaginer la sensation de l'herbe sous leurs pieds, la caresse de la brise sur leurs joues, l'étincelle colorée d'un papillon virevoltant dans le ciel. Heureux, il se prépara une ration qu'il avala rapidement, l'esprit ailleurs. Il s'installa ensuite sur sa paillasse, un dépliant publicitaire pour un magasin d'électroménager en main. Mais il n'y prêta aucune attention, l'âme vagabondant sur les versants d'une montagne alpine idéalisée. À partir de ce jour, les spectateurs des lectures de poésie se multiplièrent. Son auditoire grandissait chaque jour au point qu'Édouard devait donner récitation devant son alcôve, les enfants assis en arc de cercle en face de lui. Il sélectionnait la poésie quotidienne avec soin, sachant qu'après, il devrait fournir une leçon de vocabulaire et répondre à une théorie de questions. Le nombre de ses spectateurs atteignit bientôt la dizaine de bambins. Le plus âgé avait une quinzaine d'années et le plus jeune vagissait encore dans les bras de sa cadette. Édouard était ravi de pouvoir, à sa manière empirique et improvisée, transmettre une partie de sa mémoire d'en haut et d'enseigner aux enfants l'existence d'un monde que leurs parents avaient choisi d'oublier, par nécessité de survivre et surtout, peut-être, pour ne pas devenir fou sous le poids de la privation. Les petits étaient avides d'apprendre, même si, avec leur candide franchise, ils avaient tendance à remettre en question ce qu'ils tentaient de leur expliquer, le poussant souvent dans ses retranchements. Ils n'hésitaient pas une seconde à pointer les contradictions qu'il avait de temps en temps la faiblesse de laisser passer. Sa mémoire lui faisait parfois défaut. « Mais tu nous as dit hier que la mer était bleue. » Là, dans ce que tu as lu, elle était verte. Elle change de couleur, tu sais, toutes les mers ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs mers. Oui, c'est vrai. Dites, vous nous racontez des histoires. Est-ce qu'il y a des photos pour voir? Tout cela a vraiment existé? Parfois, à bout d'arguments, fatigué après des heures de labeur et de questions, il ajournait la séance au grand déplaisir des bambins. Il le faisait rarement. Et à chaque fois, il le regrettait. Cela lui donnait le sentiment qu'il trahissait la confiance et l'attente des enfants. Un jour, alors qu'il venait de réciter à son éditoire un des sonnets pour Hélène de Pierre de Ronsard, et qu'il s'apprêtait à leur décoder les métaphores romantiques, il fut interrompu par une voix bourrue qui résonna contre les pierres humides du tunnel. « Alors c'est donc vrai.
Les enfants sursautèrent, certains poussèrent de petits cris de peur. Édouard releva la tête. Derrière le cénacle de ses spectateurs, il découvrit une dizaine d'adultes qui se tenaient face à lui. La plupart des bambins s'égayèrent, rejoignant leurs parents. Édouard comprit instantanément que le temps de sa classe de littérature poétique était désormais révolu. Tandis que les adultes serraient de manière protectrice leur enfant contre eux, un homme s'avança vers lui. L'individu était massif, l'air sévère et les yeux noirs dominant une barbe fournie. Il toisa le vieil érudit avant de s'adresser à lui sur un ton cassant. « C'est vous qui leur mettez des drôles d'idées dans la tête. Je ne fais que leur lire. Vous leur racontez des bêtises sur le temps d'avant. Mais ce ne sont pas des bêtises. Vous devez arrêter immédiatement. Désormais, il y aurait interdit de vous approcher. Mais pourquoi ?» Édouard était interloqué et sincèrement peiné par cette décision. En quoi ce qu'il faisait était mal? Après tout, il n'avait forcé la main de personne. Pierre était venu le trouver, seul, de sa propre initiative. « Vous avez peut-être envie de perdre votre temps avec ces contes de fées sur ce qu'il y a en haut. Mais nous, on survit ici. On ne peut pas laisser nos enfants rêver à des chimères. Il faut qu'ils apprennent à cultiver, à élever les bêtes, à réparer. Il faut arrêter de les dissiper avec des mensonges. » Des mensonges? Mais non, pas du tout. Écoute, l'ancêtre, le coupa l'homme en posant un doigt accusateur contre la poitrine d'Édouard. On n'aime pas tes manies, mais tu travailles bien. Tu fais tes corvées, alors on te tolère. Mais on en reste là. Si jamais on te reprend à mettre des idées imbéciles dans la tête d'un de nos gamins, ça va mal se passer. Tu risques de te retrouver sous forme d'engrais pour les choux. T'as compris? Édouard ne répondit rien. Il baissa les yeux. Satisfait, le meneur souffla bruyamment avant de faire demi-tour. Bientôt, tous disparurent après lui avoir jeté un regard mauvais. Enfin seul, Édouard s'autorisa à trembler de tous ses membres et laissa échapper un sanglot. Il fit demi-tour et retourna d'un pas traînant dans son alcôve. Il s'affaissa sur sa chaise qui grinça sous l'effort. Le coude sur la table, il plaqua la main sur son visage et sentit bientôt des larmes chaudes glisser entre ses doigts. Après un long moment, il se redressa en soupirant. Il dut s'avouer que son plus grand regret était de ne pas pouvoir s'offrir un verre de bourbon ou quelque chose d'approchant. Que lui restait-il maintenant? Un court sommeil, des tâches quotidiennes pour la collectivité et bien sûr sa chère collection. Il ne s'était jamais senti aussi seul. Il eut une pensée émue pour Pierre et les autres enfants. Une génération sacrifiée au service de la survie du groupe. Le cycle allait-il se maintenir ainsi longtemps? Allait-on, de génération en génération, étouffer l'envie de rêve, d'évasion, aussi facilement qu'on souffle une chandelle au fond d'un tunnel? Reposant le bras sur la table, sa main effleura un objet. Baissant les yeux, il reconnut le recueil de poésie de Pierre. Il resta interdit quelques secondes avant de s'en emparer. Retournant le livre, comme s'il doutait de sa réalité, il comprit que l'enfant avait profité de la remontrance qu'on faisait à Édouard pour se faufiler et déposer son précieux trésor chez le vieil homme. Édouard pleura à nouveau, mais cette fois ce furent des larmes de joie et d'espoir. Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Philippe Labreau, poème sur la septième.